Les puzzles dorment. Appuie sur la touche puzzle pour les réveiller. Oh. Appuie sur leur touche encore, et tu verras ce qui arrivera alors. Ouhou. Un coq. Appuie sur leur touche encore, et tu verras ce qui arrivera alors. Tout est bien qui finit bien. Jolie mélodie, c'est très beau. Salut les puzzles, au revoir, à bientôt. Les puzzles dorment. Appuie sur la touche puzzle pour les réveiller. Appuie une fois encore sur la touche puzzle. Appuie sur... Appuie sur leur touche encore, et tu verras ce qui arrivera alors. Une plume. Oh,
Qu'est-ce qu'ils ont préparé? Appuie sur la touche puzzle pour le trouver. Oh. Oui. Une montgolfière. Tout est bien qui finit bien. Jolie mélodie, c'est très beau. Salut les puzzles. Au revoir. À bientôt. Les puzzles dorment. Appuie sur la touche puzzle pour les réveiller. Appuie encore une fois sur leur touche et ils s'éveilleront tous. Essaie et tu verras. Oh. Il est temps pour les puzzles de se réveiller. Appuie sur leur touche et ce sera fait. Ok? Appuie une fois encore sur la touche puzzle. Wow. Appuie sur leur touche encore et tu verras ce qui arrivera alors. Tchou! Trompette. Appuie sur leur touche encore et tu verras ce qui arrivera alors. Youhouhou! Un œuf. Tout est bien qui finit bien. Jolie mélodie, c'est très beau. Salut les puzzles, au revoir, à bientôt. Quelle belle journée! Cancan et Goubou veulent jouer. Salut Cancan. Salut Goubou. Thank you.
as-tu une surprise? Super! J'adore les surprises! Ah, je comprends! Cancan et Gougou veulent jouer à cache-cache. On ferme les yeux, d'accord? Et sans tricher! Ouvre les yeux. Alors, surprise! Où Cancan et Gougou sont-ils partis? Ils sont où? Est-ce que tu le sais? Où sont-ils cachés? Si... Cancan, je te vois! Mais où est Gougou? Génial! On a trouvé Cancan et Gougou! Derrière le buisson. Ah, je comprends. Cancan et Gougou veulent jouer à cache-cache. On ferme les yeux, d'accord? Et sans tricher. On ouvre les yeux à présent. Mais ils ont disparu. Cancan, Gougou, où sont-ils? Est-ce que tu le sais? Hurrah! On a trouvé Cancan et Gougou dans la niche. Oh, je vois. Cancan et Gougou aiment jouer à cache-cache. On va fermer les yeux. On ne triche pas. Regarde! Cancan et Gougou sont bien cachés. Où ont-ils été? Peux-tu nous le raconter? Super! On a trouvé Gougou et Cancan, sous le banc. On s'est bien amusé, je le sais. Mais Cancan et Gougou doivent s'en aller. Salut Cancan! Salut Gougou! Au revoir et à bientôt! C'est Cancan et Gougou. Salut Cancan. Salut Gougou. Hé, qu'est-ce que vous murmurez? Racontez-moi. C'est une surprise? Super! J'adore les surprises! Ah, je comprends! Cancan et Gougou veulent jouer à cache-cache. On ferme les yeux, d'accord? Et sans tricher! Regarde! Cancan et Gougou sont bien cachés. Où ont-ils été? Peux-tu nous le raconter? Peuvent-ils être cachés? Cancan, je te vois! Mais où est Gougou? Hurrah! On a trouvé Cancan et Gougou! Derrière le rideau! Oh, je vois! Cancan et Gougou aiment jouer à cache-cache! On va fermer les yeux! On ne triche pas. On ouvre les yeux à présent. Mais ils ont disparu. Cancan, Gougou, où sont-ils? Est-ce que tu le sais?
On a trouvé Gougou et Cancan. Ils étaient sous le lit. Ah, je comprends. Cancan et Gougou veulent jouer à cache-cache. On ferme les yeux, d'accord? Et sans tricher. Ouvre les yeux. Alors, surprise! Où Cancan et Gougou sont-ils partis? Ils sont où? Est-ce que tu le sais? Super! On a trouvé Cancan et Gougou! Dans l'armoire! On s'est bien amusé. Je le sais. Mais Cancan et Gougou doivent s'en aller. Salut Cancan. Salut Gougou. Au revoir. Et à bientôt. Journée. Cancan et Gougou veulent jouer. Salut Cancan. Salut Gougou. Hé, qu'est-ce que vous murmurez? Racontez-moi. C'est une surprise? Super! J'adore les surprises! Ah, je comprends! Cancan et Gougou veulent jouer à cache-cache. On ferme les yeux, d'accord? Et sans tricher! Regarde! Cancan et Gougou sont bien cachés. Où ont-ils été? Peux-tu nous le raconter? Je te vois. Mais où est Gougou? Bravo! On a trouvé Cancan et Gougou. Derrière le château de sable. Cancan et Gougou veulent encore jouer. Fermons les yeux, comme on l'a déjà fait. On ouvre les yeux à présent. Mais ils ont disparu? Cancan? Gougou? Où sont-ils? Est-ce que tu le sais? Où sont-ils cachés? On a trouvé Gougou et Cancan sous le bateau. Ah, je comprends. Cancan et Gougou veulent jouer à cache-cache. On ferme les yeux, d'accord? Et sans tricher. Ouvre les yeux. Alors, surprise! Où Cancan et Gougou sont-ils partis? Ils sont où? Est-ce que tu le sais? Enfin! On a trouvé Cancan et Gougou dans la tente verte. On s'est bien amusé. Je le sais. Mais Cancan et Gougou doivent s'en aller. Salut Cancan. Salut Gougou. Au revoir. Et à bientôt. Pitch et Poch, allez, souriez. Ils sont prêts à jouer. On va commencer.
appuie sur la touche Pitch et Poch de nouveau et tu verras quelque chose de beau. Appuie sur la touche une fois encore et tu sauras à quoi sert la poignée magique. Allez, un effort! C'est un canard! Appuie sur la touche Pitch et Poch. Merci. Et trouve le bruit qui nous manque ici. Est-ce que c'est un bruit de canard? Non! C'est comme un téléphone! Le canard fait un bruit différent. Appuie sur la touche Pitch et Poch. Merci. Et trouve le bruit qui nous manque ici. Est-ce que c'est un bruit de canard? Non! C'est comme un avion! Le canard fait un bruit différent. Pour trouver le bruit que fait le canard, appuie sur la touche Pitch Poch sans retard. Bravo! Plus besoin de chercher. Le son qui convient, tu l'as trouvé. Pitch et Poch doivent s'en aller, mais on va bientôt les retrouver. Pitch et Poch, allez, souriez. Ils sont prêts à jouer. On va commencer. Compte bien. 1, 2 et 3. Et appuie sur la touche. Pitch Poch. Mais oui, toi! Tu veux savoir à quoi servent ces boutons? Appuie une fois encore sur la touche, c'est bon! Regarde! Des cymbales! Quel bruit font les cymbales, tu le sais? Appuie sur la touche Pitch Poch sans hésiter. Est-ce que c'est un bruit de cymbales? Non! On dirait plutôt une flûte! Les cymbales font un bruit tout différent. Quel bruit font les cymbales, tu le sais? Appuie sur la touche Pitch Poch sans hésiter.
Est-ce que c'est un bruit de cymbale? Non! C'est comme un xylophone! Les cymbales font un bruit tout différent. Hurrah! Bravo! Tu ne t'es pas trompé! C'est le bruit des cymbales. Tu l'as trouvé! Peach et Poch doivent s'en aller, mais on va bientôt les retrouver. C'est Peach et Poch. Ils sont venus jouer au jeu des sons. Quel jeu parfait! Appuie sur la touche Peach et Poch de nouveau et tu verras quelque chose de beau. Appuie sur la touche une fois encore et tu sauras à quoi sert la poignée magique. Allez, un effort! C'est un train! Quel bruit fait le train? Appuie sur la touche Peach Poch avec entrain. Est-ce que c'est un bruit de train? Non! C'est comme un coq! Le bruit d'un train est différent. Quel bruit fait le train? Appuie sur la touche Peach Poch avec entrain. Est-ce que c'est un bruit de train? Non! On dirait plutôt un éléphant! Le bruit d'un train est différent. Appuie sur la touche Peach Poch maintenant, comme tu l'as fait avant. Bravo! Bravo! C'est génial! C'est le bruit du train sur les rails! Peach et Poch doivent s'en aller, mais on va bientôt les retrouver. Bye bye. Bonjour, ah. Oliver se balance. Wow. Quel ami va-t-il rencontrer par chance? Wow. Appuie sur la touche Oliver sans tarder pour savoir quel ami il a trouvé. Quel est ce bruit bizarre? Oh. Oliver, regarde autour de toi. Hein? Pour trouver la clé du mystère, appuie sur la touche Oliver.
Qu'est-ce que c'est? Appuie sur la touche si tu te le demandes. Regarde, Oliver, c'est un éléphant tout fier. Oliver est heureux, il est ravi, il a trouvé un nouvel ami, un gentil éléphant. Quelle joyeuse fin de jeu! Oliver a un ami merveilleux. Le petit Oliver aime bien jouer. Je me demande quel ami il va trouver. Appuie sur la touche Oliver une fois encore pour qu'il découvre et qu'il explore. Oui! Quel est ce bruit bizarre? Oliver, regarde autour de toi. Aide Oliver à aller de l'avant. Appuie sur la touche comme auparavant. C'est quoi ce petit bruit? Appuie sur la touche Oliver. Et tu seras ravi. Oliver est tombé dans la flaque d'eau, mais il a trouvé un ami nouveau. Regarde-les, ils aiment se balancer. Comme c'est beau l'amitié. Oliver est à la ferme. Il se repose sur une botte de foin. Quel ami va-t-il rencontrer dans le coin? Appuie sur la touche Oliver une fois de plus et trouve le nouvel ami d'Oliver. Quelle astuce! Quel est ce bruit bizarre? Oliver, regarde autour de toi. Qui fait ce bruit? Tu veux le savoir? Appuie sur la touche Oliver et tu vas voir. Qu'est-ce que c'est? Appuie sur la touche si tu te le demandes. Appuie sur la touche Oliver à l'instant, comme tu l'as fait auparavant. Regarde Oliver, c'est un canard! Oliver, qu'est-ce qui se cache dans le nid? Un œuf. Chut, pas de bruit. Oliver, super! Youpi! Tu as trouvé deux nouveaux amis. Allô? Bonjour! Qui est à l'appareil? Ah, désolée! Je n'ai pas entendu! Que dis-tu? Comment t'appelles-tu?
chanter. J'écoute. Et mon frère aussi. Oui. Quoi? Incroyable! Vraiment? Et alors? Ah! Oh! Miam miam! Une glace! Rappelle-nous plus tard, d'accord? Super! Salut! Pinga Pinga, bonjour! Qu'y a-t-il sous la glace? À quoi cela peut-il servir? Appuie sur la touche balai et tu... Une brosse. Salut les amis! Quelle belle musique! Un ballet! Je me demande à quoi Pinga pensait. Pour le savoir, appuie sur la touche balai. Une guitare. À l'appareil. C'est toi? C'est vraiment toi? Oh! C'est si chouette d'entendre ta voix! Oh! Formidable! Et? Écoute, j'ai une devinette à te poser. Tu veux l'écouter? Qu'est-ce qui est petit, a des ailes colorées et aime les fleurs? Ah! Tu devines, petit, avec des ailes colorées, qu'est-ce que ça peut être? Un papillon? C'est ça! C'est un papillon qui aime les fleurs. Ah! Monsieur le papillon, attendez-moi! Allô? C'est Emma. Qui est à l'appareil? Qui? Bonjour, comment vas-tu? Vraiment?
Aujourd'hui, je prépare une pièce sur les Esquimaux. Dis bonjour à Mai Mai l'Esquimau. Mai Mai est un peu timide. Ah, vous voulez me parler? Ah, c'est génial. Mon nom est Mai Mai. Et toi, quel est ton nom? Eh, c'est un nom superbe. Tu sais que ma maison a un nom, elle aussi? C'est exact. Elle s'appelle un igloo. Et elle est faite de grands cubes de glace. Ta maison aussi est en glace? Non? Intéressant. Oh, il commence à faire froid ici. Je rentre à la maison me réchauffer. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Mai Mai. Et salut à toi aussi. Salut. Comment vas-tu? Je suis contente que tu sois venue. J'ai besoin de ton aide. Génial. Je n'arrive pas à choisir un animal. Aide-moi, s'il te plaît. Appuie sur ma touche et aide-moi à trouver un animal qui me tiendra compagnie. Super! Merci! Regarde, un lion! Un lion, le roi des animaux! Qu'il est beau! Je pourrais... Ah! Tu en es sûre, Marie? Pourquoi pas? Mais... peut-être un animal moins effrayant. Appuie sur ma touche, s'il te plaît. Et trouve-moi un animal que j'aimerais. Allez! Appuie sur ma touche. Tu peux y arriver. Appuie sur... Oh, merci beaucoup! Tu m'as trouvé une girafe! Une girafe! C'est un gentil animal! Mais est-ce un animal qui me convient? Oui! Mais elle est très grande! Ouf! Cela ne me convient pas du tout! Mais regarde-moi! Je ne me désole pas! Appuie sur ma touche! C'est tout. Et tu m'aideras à trouver un animal très doux. Merci. Regarde. Tu m'as trouvé un chien. Un chien. Cela me convient. Qu'en penses-tu? Un chien? Ça serait super. Hé, attends. Une seconde. À bientôt. Salut! Salut! Bonjour! Bienvenue dans notre parc d'attractions! Regarde ce qu'on a trouvé! Une boîte! Je me demande ce qu'il y a dedans! Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Sur ma touche, tu appuieras et tu le découvriras! Oh! Merci! Regarde! C'est une... montgolfière! On adore les montgolfières! Oh là là! On ne peut pas monter! Mais tu vas nous aider! Tu vas y arriver! Merci, merci! On décolle, on s'envole! On est ravis! Youpi! Envole-nous très haut! Envole-nous dans la montgolfière jusqu'au soleil! C'est extraordinaire! Oh, j'aimerais m'envoler jusqu'à la lune! On va sûrement y arriver! Alors appuie sur ma touche! Youpi! Merci! Tu es formidable! Envole-nous très haut! Jusqu'au soleil! Que c'est beau! Quelle extraordinaire montgolfière! Au revoir! À bientôt! Mais ne pleure pas, car on va revenir bientôt. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ma jolie chambre.
Écoute, j'ai une devinette à te poser. Qu'est-ce qui est rond et coloré, qui roule et rebondit? Rond et coloré, qui roule et rebondit. C'est une drôle de devinette. La réponse, tu l'as en tête? C'est exact, un ballon. Mon ballon est rond et coloré. Nous pouvons y jouer. Tu veux faire rebondir mon ballon? C'est facile. Alors appuie sur ma touche. Waouh! Mon ballon roule et rebondit. Il est ravi. Tu vas l'aider à rebondir encore. Appuie sur ma touche, comme tu l'as fait avant. Appuie sur ma touche encore une fois et le ballon rebondira. Ah, c'est génial! Waouh! Mon ballon rebondit! Du sol jusqu'au toit! Grâce à toi, mon ballon est tout simplement en joie! Mon ballon veut jouer dehors! Allez, ballon! Saute et roule! On se verra plus tard, d'accord? J'arrive, ballon! J'arrive! Au revoir! Oh! Je ne savais pas que tu allais venir. Ma chambre est en désordre. Tu peux peut-être m'aider? Appuie sur ma touche, s'il te plaît, et nous allons ranger. Et viens, on va ranger. Appuie sur ma touche et ce sera fait. Oh, merci. Mon lit est bien rangé. Mais regarde mes jouets. Partout, ils sont jetés. Tu peux peut-être m'aider? Appuie sur ma touche, s'il te plaît, et nous allons ranger. C'est incroyable! Il ne manque plus que les livres. Appuie sur ma touche une fois de plus et nous rangerons. Regarde les livres! Ils volent! Oh, merci! Regarde ma chambre! C'est superbe! Et tout cela grâce à toi! Quel ami formidable! Tu m'as aidé! C'est admirable. Au revoir. Bon, salut à toi. Bienvenue dans mon nouveau jardin. Je sais qu'il n'y a pas de fleurs, mais tu vas me donner un coup de main. Veux-tu m'aider à fleurir mon jardin? Appuie sur ma touche encore une fois. Appuie sur ma touche, ainsi mon jardin sera fleuri. Vas-y, appuie sur ma touche, tu peux y arriver. Oh merci, sur ma barrière, de superbes fleurs jaunes ont poussé. Appuie sur ma touche pour voir quelles fleurs vont fleurir. Veux-tu m'aider? Appuie encore une fois sur ma touche. C'est magnifique! Il y a des fleurs rouges et roses. Sur ma touche, tu vas appuyer et de nouvelles fleurs vont s'ajouter. Et on va le faire ensemble. Appuie sur ma touche une fois de plus.
Oh, regarde, je n'arrive pas à y croire. Tant de fleurs et de papillons partout. Hein? Oh, sur mon nez. Regarde mon jardin. Il est superbe. Et tout ça grâce à toi. Tu es vraiment un grand copain. Et j'ai une surprise pour toi. Je reviens. Ne regardez pas. Voilà. Un cadeau pour toi. Reviens vite. Je t'attends. Au revoir en attendant. Pinga Pinga. Hé, salut. Qu'y a-t-il sous la neige? Cela peut-il servir? Appuie sur la touche gant et tu pourras le dire. Sur la touche gant, tu vas appuyer et tu sauras à quoi Pink doit penser. Allez, appuie sur la touche gant. Vache. Pinga Pinga, vous allez bien? Vous avez du nouveau? Un gant! Pense Pinga. Tu veux le savoir? Appuie sur la touche gant pour voir. Un poisson. Pinga, salut les amis. Quelle belle musique. Un gant. Demande ce que Pinga se dit. Pour le savoir, appuie sur la touche gant. Merci. Une couronne. Thank you.
Kinga, comment ça va? Vous avez pêché quoi cette fois? Une boîte! À quoi cela peut-il servir? Appuie sur la touche boîte et tu pourras le dire. Un train. Ça va? Vous avez pêché quoi cette fois? Une boîte! Je me demande ce que Pinga a en tête. Tu peux le deviner très vite en appuyant sur la touche boîte. Une montgolfière. Salut les amis! Quelle belle musique! Une boîte! Je me demande ce que Pinga a en tête. Tu peux... Pinga, bonjour! Qu'y a-t-il sous la glace? Une boîte! Quoi cela peut-il servir? Appuie sur la touche boîte et tu pourras le dire. Une tortue.
Pinga. Salut les amis. Quelle belle musique. Un balai. Pense Pinga, tu veux le savoir? Appuie sur la touche balai pour voir. Une rame. Pinga, comment ça va? Vous avez pêché quoi cette fois? Un balai! À quoi cela peut-il servir? Appuie sur la touche balai et tu pourras le dire. Un cheval! Pinga, comment ça va? Vous avez pêché quoi cette fois? À quoi cela peut-il servir? Appuie sur la touche gant et tu pourras le dire. Une plante! Pinga, bonjour! Qu'y a-t-il sous la glace? Un parapluie! Appuie sur la touche parapluie sans hésiter pour savoir qu'est-ce que Ping a comme idée. Un panier.
Pinga, comment ça va? Vous avez pêché quoi cette fois? Un parapluie! Appuie sur la touche parapluie sans hésiter pour savoir qu'est-ce que Pinga a comme idée. Une voile. Pinga, bonjour à vous deux. Vous avez trouvé quelque chose de nouveau? Regardez un peu. Un parapluie. À quoi cela peut-il servir? Appuie sur la touche parapluie et tu pourras le dire. Un bâton. Pinga, bonjour. Qu'y a-t-il sous la glace? Un parapluie. Je me demande ce que Pinga se dit. Appuie sur la touche parapluie. Merci. Une toupie. Pinga, Pinga. Hey, salut. Qu'y a-t-il sous la neige? Une pompe. Appuie sur la touche pompe sans hésiter pour savoir qu'est-ce que Pinga a comme idée. Un microphone.
Salut Ping et Pinga. Vous allez bien? Vous avez du nouveau? Une pompe! Qu'est-ce que Pinga a dans l'idée? Appuie sur la touche pompe et tu pourras le deviner. Une fleur. Salut les amis! Quelle belle musique! Une pompe! Demande ce que Ping imagine. Voici ma réponse. Tu peux le deviner très vite en appuyant sur la touche pompe. Un chapeau. Bonjour à vous deux. Vous avez trouvé quelque chose de nouveau? Regardez un peu. Une pompe! Cela peut-il servir? Appuie sur la touche pompe et tu pourras le dire. Un télescope. Salut! Qu'y a-t-il sous la neige? Une marmite! Pense Pinga. Tu veux le savoir? Appuie sur la touche marmite pour voir. Ah.
chapeau. Bonjour à vous deux. Vous avez trouvé quelque chose de nouveau? Regardez un peu. Une marmite. Pense Pinga. Tu veux le savoir? Appuie sur la touche marmite pour voir. Un tambour. Ça va? Vous avez pêché quoi cette fois? Une marmite! À quoi cela peut-il servir? Appuie sur la touche marmite et tu pourras le dire. En volant. Ça va? Vous avez pêché quoi cette fois? Une marmite! À quoi cela peut-il servir? Appuie sur la touche marmite et tu pourras le dire. Une balançoire. Coquin, qu'est-ce que vous nous préparez cette fois? Appuie sur la touche légumes. Là, ils ont une nouvelle surprise pour toi. C'est ça! Mmh.
appuies sur la touche légumes, là, ils ont une nouvelle surprise pour toi. C'est ça. Je me demande quel animal ils ont créé. Pour le savoir, appuie sur la touche légumes, s'il te plaît. Regarde, c'est un chien. Appuie sur la touche amis légumes, d'accord? Et le chien ira jouer dehors. Aujourd'hui, j'ai reçu un chien. Regarde comme il joue bien. Il renifle autant qu'il peut, tout en remuant la queue. Mon chien aime bien jouer et à l'ombre se cacher. Il aboie fort, mon toutou. Et moi? Il m'aime? Gentil chien. Oh, génial! Les légumes sont prêts. Je me demande quel animal ils ont créé. Si tu appuies sur la touche légumes à nouveau, tu verras des merveilles et c'est très très beau. Si tu appuies sur la touche légumes à nouveau, tu verras des merveilles. Et c'est très très beau. Je me demande quel animal ils ont créé. Pour le savoir, appuie sur la touche légumes, s'il te plaît. Eh, c'est un mouton. Appuie sur la touche amis légumes, d'accord? Et le mouton ira jouer dehors. Mon petit mouton bondit. Il est blanc comme neige et très gentil. Mon mouton est laineux comme un nuage. Il est tout doux et tout sage. Mais il fait trop de bruit. Mon petit mouton bêle très fort. Écoute le bêler une fois encore. Salut légumes coquins. Qu'est-ce que vous nous préparez cette fois? Appuie sur la touche légumes. Là, ils ont une nouvelle surprise pour toi. C'est ça. Appuie encore sur la touche amis légumes. Si tu appuies sur la touche légumes à nouveau, tu verras des merveilles et c'est très très beau. Je me demande quel animal ils ont créé. Pour le savoir, appuie sur la touche légumes, s'il te plaît. Regarde, un perroquet. Un perroquet? Un perroquet? Oh!
appuies sur la touche Annie Légumes, d'accord? Et le perroquet pourra voler dehors. Regarde, j'ai un perroquet. Un perroquet? Il est gentil et coloré. Il sait parler. Tout ce que je dis, mon perroquet le redit. Redit. Il sait aussi chanter. Il me fait rigoler. Coller, coller. Il est mignon. Mais bon, non. Mais qui l'arrête? Arrête, arrête, arrête. Salut, Touli. Touli, qu'est-ce que c'est? À quoi pense Touli? Si tu veux le savoir, appuie sur sa touche et tu vas voir. Tu crois que ce sont des assiettes d'or? C'est vrai, les assiettes ne sont pas trouées. À quoi pense Touli? Tu le sauras en appuyant sur la touche Touli. Tu penses que c'est une patinoire? C'est froid comme de la glace? Touli, quel est ce bruit? Tu veux savoir ce que c'est? Appuie sur la touche Touli, s'il te plaît. Tu sais ce que c'est? C'est exact, Touli. C'est un tambourin. Touli, que tu joues bien du tambourin! Salut alors! À bientôt! Salut Touli! Touli, qu'est-ce que c'est? À quoi pense Touli? Tu le sauras en appuyant sur la touche Touli. Tu crois que c'est un lit? Tu as raison, Touli. Ce n'est pas un lit. Il n'y a ni couverture, ni oreiller. C'est donc autre chose, tu sais? À quoi pense Touli? Si tu veux le savoir, appuie sur sa touche et tu vas voir. Touli, tu crois que c'est un gâteau? Est-ce que c'est sucré? Touli, qu'as-tu trouvé? C'est exact, Touli. C'est un bac à sable. Et c'est un château de sable. Touli, qu'est-ce que tu fais? Tu veux jouer avec le château de sable? Super, Touli! Amuse-toi bien, Touli! Au revoir! À bientôt! Salut, Touli! Ah.
qu'est-ce que c'est? À quoi penses Touli? Si tu veux le savoir, appuie sur sa touche et tu vas voir. Ah! Tu crois que c'est un serpent? Touli, regarde encore. Tu crois que c'est un serpent? Tu as raison. Les serpents ne portent pas de ruban. Tu penses que c'est une nappe pour un pique-nique? Touli, est-ce que tu vois un panier à pique-nique? Est-ce que tu vois quelque chose à manger ou à boire? Tu as raison, Touli. C'est un pique-nique bizarre. Alors, ce n'est peut-être pas une nappe. Appuie sur la touche Touli, tu résoudras le mystère et tu seras ravi. Touli, qu'est-ce que tu as découvert? Touli, tu es super! C'est un cerf-volant! Salut Touli, à bientôt! L'œuf est tout prêt à éclore. Hourra ! Je me demande ce qui va surgir encore. Cet œuf, à quoi va-t-il ressembler? Appuie sur la touche œuf et tu auras trouvé. Pardon, l'œuf. Es-tu un ballon? Ce sera quoi? Tu ne sais pas? Appuie sur la touche œuf et tu verras. Œuf? Serais-tu un entonnoir? Ce sera quoi? Tu ne sais pas? Appuie sur la touche œuf et tu verras. Et l'œuf? Tu es un éléphant! Que l'éléphant est gros! Super! Bravo! À bientôt! Regarde, l'œuf est derrière l'écran. Que fait-il donc caché là-dedans? Ce sera quoi? Tu ne sais pas? Appuie sur la touche œuf et tu verras. Pardon, l'œuf.
Es-tu un serveur? Ce sera quoi? Tu ne sais pas? Appuie sur la touche œuf et tu verras. Œuf? Serais-tu un ventilateur? Ce sera quoi? Tu ne sais pas? Appuie sur la touche œuf et tu verras. Hé, l'œuf, tu es un pingouin. Quel pingouin marrant! Bravo! Et à bientôt! Amuse-toi bien en attendant! L'œuf est tout prêt à éclore. Ouah ! Je me demande ce qui va surgir encore. Cet œuf, à quoi va-t-il ressembler ? Appuie sur la touche œuf et tu auras trouvé. Pardon, l'œuf. Es-tu un dragon ? Sa nouvelle forme, tu veux la deviner? Appuie sur la touche œuf, sans hésiter. Pardon, l'œuf? Tu es peut-être un roi? Ce sera quoi? Tu ne sais pas? Appuie sur la touche œuf et tu verras. Hé, l'œuf, tu es une poule. Quelle jolie poule colorée! Bravo! Super! C'est parfait! À tout à l'heure!